around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Hello, welcome home. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je m'étais rendu compte en tournant ce vlog qu'effectivement il n'y avait pas d'introduction et il fallait y remédier. Et c'est l'occasion, aujourd'hui nous sommes dimanche. Je vais me préparer avec vous tout simplement, comme ça on va pouvoir discuter un petit peu. Et j'aime bien cette routine là de me préparer avec vous. J'ai l'impression de papoter avec des amis en fait et de vous raconter un petit peu ma petite vie toute simple, toute tranquille. Je vais commencer par la véritable eau florale de Sanoflore. Je suis vraiment fan de ce produit, j'aime beaucoup hydrater la peau et ça fait du bien. Oh, je me suis réveillé ce matin, vous avez même pas idée du peu d'heures de sommeil. J'ai super mal dormi. J'enchaîne avec l'élixir des reines de Sanoflore. J'ai peu dormi parce qu'en fait Marley continue une fois de plus avec ses pattes, donc il n'arrête pas de se les manger, ce qui est assez fatigant, assez fâcheux, et puis même pour lui en fait, c'est pas du tout l'idéal, c'est pas possible, donc j'ai passé mon temps à me réveiller à chaque fois que je l'entendais se lécher les pattes, et voilà. Bon, après, rien de dramatique en soi. J'utilise ensuite The Ordinary. J'aime beaucoup ce sérum à l'acide hyaluronique. Bon, j'ai passé mon temps à me lever. Mais après, dans la journée, ça allait beaucoup mieux. Je l'ai senti en meilleure forme. Bon, je lui ai fait un cataplasme à l'argile. Ça a calmé ses démangeaisons. Et j'ai trouvé quand même beaucoup mieux. Il marchait bien, etc. Donc, franchement, ça allait. C'est juste que ouais, la nuit était difficile, donc je me suis levé assez tôt, aux alentours de 4 heures. Ensuite, j'ai dormi un petit peu, je me suis réveillé et je suis allé le revoir aux alentours de 6 heures du matin pour ensuite me réveiller aux alentours de 8 heures. J'enchaîne sur Florena, crème de jour. J'ai tout juste de la commencer et j'aime bien, je trouve qu'elle sent bon. La texture a l'air pas mal. On va rire parce que je suis sûr que Ga va rire. La façon dont j'étale ma crème à la Gemma. En fait, Gemma Louise Miles, c'est une créatrice anglaise qu'on adore énormément. Et j'adore Gemma, je trouve qu'elle a un talent fou. Et une esthétique dans ses vidéos que j'aime énormément. Donc voilà, petite dédicace à Gemma Louise Miles parce que j'aime énormément son contenu. Donc oui, bonne petite journée ce matin. J'étais à fond dans mon ménage. J'aime énormément ce côté où je trie, je désencombre, je clean tout. J'arrête pas de cleaner, de nettoyer. Mais je sais pas, il y a un côté vraiment thérapeutique au ménage et j'aime vraiment que mon intérieur soit vraiment super propre, que ça sente le frais, que ça sente bon. Du coup, j'ouvre tout, j'aère tout. Je continue sur Effa Clar, La Roche-Posay, duo unifiant et un soin teinté que j'aime particulièrement. Donc ouais, l'appartement était vraiment clean. Bon, la deuxième chambre là où je suis, celle où je suis en train justement de tout ranger, tout trier, c'est mieux. Je vous cache pas que mon bureau est un sacré bordel, mais il faut du temps en fait. Tout à l'heure j'étais sur le store d'IKEA et j'avais pas tilté, j'avais pas compris qu'on pouvait effectivement commander en ligne. Donc si vous voulez, à chaque fois le click and collect ne fonctionnait pas dans notre magasin. Et j'avais même appelé le service client IKEA en me disant bon, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, en fait, il y a tellement de monde qui font du click and collect que les créneaux sont très très loin. Donc je peux en faire un, mais pas avant 10 jours. Donc autant attendre la semaine prochaine que le magasin ouvre. Donc voilà, petite routine très simple. J'aime bien faire ça avec vous. J'essaye vraiment de le faire maintenant tous les jours pour être... même le dimanche en fait. Même si nous sommes dimanche, que c'est une journée normalement off et c'est entre guillemets ma journée naturelle. J'aime bien rester juste tranquille, sans rien. J'ai quand même fait un effort vestimentaire. J'avais pas envie de rester en pyjama, surtout que j'ai
une copine qui arrive tout à l'heure juste pour récupérer un bac à marbre. Normalement, je me regarde. Oui, je sais pourquoi je vous regarde pas. Normalement, elle n'est pas censée. Je vérifie la carte SD hein, parce qu'à chaque fois, elle me fait le coup. Normalement, elle n'est pas censée s'arrêter. Normalement, c'est comme une caméra. Je peux rester une heure si je veux filmer. Bref, c'était l'aparté. Et je sais plus ce que je disais. Je pars toujours dans des trucs. À chaque fois, je sais jamais où j'en étais. Et. Ah super la mémoire. Je dors mieux en ce moment, vous savez. Par rapport à mon minimalisme, à ma façon, je pense que vous allez me comprendre. Vous savez, j'aime énormément tout ce qui est high-tech, tout ce qui est objet connecté. Je suis très content d'avoir dans mon appartement, justement, tous ces appareils qui me facilitent la vie au quotidien, le fait de pouvoir varier l'intensité des lumières, des couleurs, avec les assistants, etc. Et pourtant, j'ai fait du tri. Et pourtant, j'ai gardé que le minimum, et ces objets high-tech, entre guillemets, j'en ai gardé que vraiment le minimum, pour vraiment être pleinement satisfait de ce qu'il m'apporte. Et je trouve que ça m'apporte quand même beaucoup de choses. Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je dis. Vous allez penser que je suis pas réveillé, mais pourtant si. Mais je m'exprime vraiment comme ça vient. Et j'aime ce côté où je marie effectivement, vous voyez,
la modernité avec l'appartement qui est très vintage, très rétro. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, même si ma chaîne n'est pas une chaîne de test ou une chaîne high-tech. Parce que ça, vraiment, je me refuse à faire ça et j'ai pas envie. Mais je vous parlerai de temps en temps, effectivement, de produits que j'aime bien ou de petits achats que j'ai fait. Donc ouais, en ce moment, de bonnes petites routines, de bonnes petites journées. Beaucoup de petites balades aussi, mais toujours aux mêmes endroits. C'est vrai que j'ai pas pris la voiture pour aller beaucoup plus loin parce que j'aime rester ici, près de la maison. Et ouais, non mais vraiment, en fait, j'adore rester chez moi. Et c'est une sensation très agréable, je sais pas comment vous expliquer. J'apprécie ces petits moments, vous voyez Marley, il va faire son petit tour, moi je vous parle, et ça fait juste du bien en fait. Le bruit comme ça de la cuillère qui tape contre la paroi en verre d'une tasse à café, ça j'adore. J'ai jamais fait de vidéo ASMR, ça, d'ailleurs je devrais peut-être en faire. Bref, moi un bon petit café. Mon café americano que j'ai fait il y a au moins une heure. Il faut savoir que j'adore le café froid. Le cold brew, alors ça, avec des glaçons, je trouve ça tellement bon. J'aime énormément. Je me pose enfin avec mon petit café et je me pose en fait avec vous. Et ça fait du bien. Ça fait du bien en ce moment. C'est de bonnes journées productives. Je fais beaucoup de choses. Ça m'occupe et... Ça m'occupe l'esprit, je me sens bien. Attendez, j'ai boîte qui arrive. Oh là ! va pas faire tomber là, la caméra. C'est pas très au point. Il faut savoir que vous êtes posé en fait sur un coussin, tout simplement. Attendez. Voilà. Et à chaque fois que je parle, en fait, monsieur est jaloux. Monsieur est jaloux et monsieur vient voir ce qui se passe. Je vais faire la vidéo comme ça. Donc en ce moment, ça va plutôt bien. On est productif, mais... Ah non, il va chercher ses jouets. Je peux jamais... Attendez, vous êtes tout tordu là. On va me dire après dans les commentaires que vous êtes pas droit. Ouais, on fait des vidéos à la... J'allais dire à la va-vite, pas du tout. Des vidéos vraiment très simples. J'ai envie de simplicité en ce moment, j'ai plus envie de trop réfléchir. Donc ouais, je ne m'ennuie pas. Allez, repasse par là. Parce que ce... Voilà, je me fais agresser. Cette petite routine me convient et j'y vois plus clair, c'est ce qui m'apaise aussi. De voir que ce désencombrement, je vais pas dire arrive bientôt à son terme, mais petit à petit, le fait d'avoir liquidé plein de choses, d'en vendre encore, d'être dans l'attente après que certains produits soient vendus, j'y vois plus clair dans mes placards. Je vais encore faire du tri dans mes vêtements parce que j'ai envie de faire du tri, j'ai envie de peut-être me commander par la suite quelques jolies pièces. Alors quand je dis jolies pièces, c'est pas des pièces de luxe ou mettre le prix, pas du tout, mais juste d'avoir, je sais pas, une accroche sur un ou deux vêtements, vous voyez, et d'avoir quelque chose d'assez simple que je pourrais réutiliser. Je pensais à ça dernièrement, en fait. Avant, je passais mon temps chez Zara quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20-25 ans. Je pouvais dépenser pas mal là-bas pour essayer d'avoir un look entre guillemets tendance et ça m'a complètement passé après 30 ans. Maintenant je serais plus dans un côté minimaliste au niveau de ma garde-robe en fait, parce que j'aime plus passer 3 heures devant la penderie, vous savez, vous êtes là, vous hésitez, vous savez pas quoi prendre, et j'ai plus envie avec l'âge forcément d'avoir des tenues beaucoup plus... Je dirais pas classique non plus, mais des pièces qui sont vraiment basiques, entre guillemets, intemporelles, qui bougent pas, vous pouvez matcher avec un petit peu tout ce que vous voulez, etc. Et c'est plus ça qui me motive en ce moment. J'ai envie de me trouver juste deux trois pulls, je sais pas, 2-3 chemises sympas, avec lesquelles je pourrais m'amuser avec 2-3 chinos, 2-3 pantalons, 2-3 jeans, et pas dépenser trop, etc. J'ai un quotidien tellement simple, mais c'est ce que j'aime aussi. J'ai passé de jolies soirées à rester regarder l'aquarium, à regarder ce qui m'entourait. Ça peut paraître totalement abstrait, mais j'ai beaucoup de gratitude, en fait, pour la vie que j'ai, pour ce que je possède. Et ça fait du bien, des fois, de temps en temps, de se poser simplement dans un coin et de réfléchir à ce qui nous entoure et ce qui nous apporte du bonheur. Et en faisant ce grand tri, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses qui m'apportaient du bonheur, d'autres un petit peu moins, d'autres comme une sensation de nostalgie,
mais pas un besoin de les garder, ou alors d'autres, pas forcément d'attache, ou alors une attache sentimentale, puis avec le temps ça s'efface, ça s'estompe. Et donc voilà, beaucoup de gratitude parce que je garde l'essentiel de ce que j'aime, c'est pas pour autant que je deviens totalement minimaliste, mais c'est mon minimalisme à ma façon, mieux consommer, toujours me faire plaisir. C'est moi, comment je vis la chose en fait, tout simplement. Pour un dimanche cosy, je vais allumer mon petit diffuseur berger en mode bougie. J'adore. J'aime énormément ce diffuseur, je le trouve tellement élégant. Il diffuse vraiment très très bien. Je pense que je rachèterai la semaine prochaine une recharge pour essayer un petit peu le reste de la gamme et pour voir ce qui se passe. Ici, tout est propre. Coucou. Tout est propre, tout est clean. Et je suis content d'avoir fait beaucoup de tri en dessous aussi. C'est vraiment un petit coin qui me plaît beaucoup. J'ai quelques changements que j'ai envie de faire dans l'appartement. Toujours une petite bougie pour une journée slow. Généralement, je regarde aussi quelques vidéos YouTube juste là, ou alors je mets un petit peu de musique, ça dépend. Et vous voyez le soleil comme c'est super agréable. Un joli temps. Ça fait vraiment du bien. Hop, on se cale comme ça. Tout à l'heure, j'étais sur Pinterest pour essayer de regarder quelques recettes, avoir quelques idées, vraiment des choses basiques, des choses assez simples, même des recettes de café, etc., de boissons, de smoothie bowl. J'adore en ce moment prendre le matin au petit déjeuner. Je vous ferai des séquences pour le prochain vlog où je me fais des bons bols de muesli avec du fromage blanc. Je rajoute des fruits, je rajoute des petites graines, des amandes, etc. Avec un peu de caramel parfois. Et je trouve ça vraiment super bon. Et ça me tient encore en plus parce que pendant très très longtemps, je ne déjeunais absolument rien le matin, à part mon café, parce que le café, c'est vraiment mon indispensable. Mais je sais pas, en ce moment, j'ai envie de me mettre un petit peu à cuisiner. Donc je pense que par la suite, il y aura un petit peu plus de séquences cuisine. Je vais essayer, en tout cas, de mes propres moyens, d'essayer de faire le maximum pour partager quelques petits trucs parce que je me rends compte que j'ai quand même tout ce qu'il faut à la maison et j'ai un niveau tellement bas. Donc voilà, l'inspiration va venir tout doucement. Affaire à suivre. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Each day we're together. Donc pour moi, un super dimanche cosy et slow, c'est avec une bonne pâtisserie maison. Et là, c'était un bon gâteau. Je sais pas si vous allez bien voir. Au beurre et à la framboise. Et franchement, regardez comme ça fait envie. C'est super bon. Avec mon petit cappuccino, je vais être vraiment
en mode cocooning, en mode slow. Et ça va être super sympa. Je vais préparer une petite assiette. J'aime bien vous emmener avec moi comme ça, dans des choses assez simples en fait, du quotidien, mais c'est vraiment ce que j'aime, et avoir une ambiance très cocooning comme ça, hein, de passer vraiment des petits moments tout bêtes, je vous assure que ça fait vraiment du bien. Pour moi, ce sont vraiment des petits bonheurs de la vie, et le dimanche, c'est vraiment une journée parfaite pour ça, pour s'accorder du temps, pour se faire plaisir, pour se coucouner et profiter un petit peu de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive. Et toujours l'occasion de boire encore et encore du café. Et le latte macchiato, c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais j'ai envie en ce moment d'expérimenter de nouvelles recettes. Et c'est ce que je voyais sur Pinterest, il y avait énormément de choses pour mon pot à lait Nespresso barista. Beaucoup de recettes qui me donnaient vraiment envie, enfin, avec des épices. Il faut que je teste aussi le cappuccino à la cannelle. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, même si je ne suis pas un grand fan de cannelle. Mais je sais pas, il y a des recettes comme ça que j'ai très envie de tester. Et moi qui suis fan de café, j'ai envie de tenter un petit peu de nouvelles recettes et pas de rester tout le temps sur la même chose, même si sur le broyeur j'ai beaucoup de choix en termes de recettes, je crois que j'en ai 21, mais j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons, et puis même pour vous. Tadam ! Oh, franchement, mais je suis vraiment super fan de ce coin, avec les petites plantes juste ici, le beau meuble vintage, la petite berger, et ça sent tellement bon, c'est vraiment tip top. Il est trop beurré et gourmand. Vous voyez les framboises? C'est juste tellement bon. Je pense même que je mangerai le gâteau en entier, franchement. Et pourtant, je suis quand même assez productive. J'ai fait beaucoup de ménage, de rangement. Je continue dans mon rangement. Je pensais pas faire une vidéo tout de suite parce que j'attendais la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu la suite par rapport à Ikea, etc. Mais j'avais quand même envie de papoter un petit peu avec vous. J'aime bien vous emmener avec moi tout le temps et prendre juste un petit peu de café. Et j'ai toujours de la gratitude pour vous parce que même si parfois certaines personnes peut-être ne commandent pas forcément mes vidéos, mon contenu, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui regardent ce que je crée parce que c'est aussi grâce à vous que je peux continuer. Et donc voilà, je voulais remercier tout le monde d'être là et de regarder ce que je produis, et ça me fait toujours vraiment plaisir. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif, on va faire un petit peu de ménage ensemble. J'ai envie de terminer, même si c'est quand même propre, de continuer d'avancer un petit peu dans mon ménage. Je vais juste rapprocher un peu comme ça. Finir mon petit goûter. D'ailleurs, Gars est en train de m'envoyer un message. Donc, Gars, coucou. Et je vous reprends juste après. Gars qui me demandait comment se passait ma journée, etc. Mais je vais lui répondre, enfin je vais te répondre, sauf que je suis en train de tourner une vidéo en fait. Donc si tu regardes cette vidéo, je pense que tu regarderas, tu comprendras. Mais je vais te répondre vocalement aussi après. C'est notre petite routine, Gars et moi, on s'envoie beaucoup de messages, comme avec Dominique. Et on se fait beaucoup de vocaux finalement. Et c'est le genre de rencontre qu'on fait aussi grâce à YouTube, vous voyez. C'est une abonnée de ma chaîne, elle me suit depuis pas mal de temps. Et de fil en aiguille,
de fil en aiguille, plutôt on va quand même bien parler français, et ben on a commencé à sympathiser, à vachement discuter, et de temps en temps on s'envoie des petits messages comme ça, donc voilà. Allez, zou, c'est parti, on va cligner un petit peu, et après je pense qu'on sera bon. J'aime bien me poser sur la terrasse, comme ça, avec mon café. Parfois même je m'endors et même s'il fait un peu frais, je trouve qu'on est tellement bien sur ce genre de gros pouf. Et ça fait juste du bien de se laisser aller et ça me détend énormément d'entendre le vent. Le vent qui souffle comme ça, de voir les arbres qui bougent dans tous les sens, enfin... Ça a le don de me détendre. Et je me sens tellement bien dans cette terrasse. Enfin, sur cette terrasse, ça fait du bien. Je pourrais vraiment passer des heures ici. Et c'est mon endroit calme par excellence où j'ai juste envie de ne rien faire, de profiter. Et surtout avec les beaux jours qui arrivent, ça fait du bien. C'est ça en fait mon dimanche, l'eau et copine. C'est juste d'être bien apaisé et de laisser vagabonder mon esprit, mes émotions et ce qui me passe par la tête. Et pas forcément de faire un tas d'activités, mais juste de profiter au maximum du cadre qui m'entoure et de ces petits bonheurs de la vie que la vie elle nous offre et qu'il faut savoir saisir. Voilà, ça fait du bien. C'est peut-être ça en fait mon secret pour un dimanche parfait. Se reposer, chiller, un bon café ou un bon thé, une bonne pâtisserie, un peu de ménage et un soupçon de gratitude et d'oisiveté. Voilà, à la vôtre.
quelqu'un que vous ne voyez pas souvent en vidéo. Je vous montre pas assez, Monsieur Piche. Piche, c'est le gros bibi. Marley adore jouer avec. Et c'est vrai que là, je le montre pas assez souvent. Il est vraiment super mignon, ce lapin, et je pense pas à vous le montrer plus souvent. C'est vrai. Tu vois, le dimanche, slow. Je te tutoie maintenant. Il y a des moments, je te tutoie, je vous vois, je ne sais plus où j'en suis. Mais un dimanche cocooning, vous voyez, c'est... Hop, c'est ça aussi, c'est être avec ses animaux. Et regarde franchement la bouille qu'il a. Il est quand même pas trop mignon. Et je sais que ça fera plaisir à Dominique de voir gros pépère. Donc, petit moment slow, petit moment cocooning avec le lapin. Mais normalement, le dimanche, c'est câlin avec Bibi. Et... ils jouent tous les deux, ils sont super mignons, en plus il n'est pas du tout agressif avec le lapin. Ils vont plutôt jouer ensemble. Attendez. Hop. Il est super mignon. Ça donne envie d'une petite sieste. J'adore cette chambre. Elle est super lumineuse. J'ai horreur de ce plaid, mais avec Marley, je suis obligé. Sinon, j'ai des traces de pattes un petit peu partout. Mais c'est vrai que ça donne envie de faire une petite sieste. Le dimanche est quand même fait pour la sieste aussi. C'est ça qui est super agréable. Un bibi. Non, il est pas. C'est pas comme avec le chien qui fait des bisous. Piche ne fait pas de bisous. Mais c'est dommage d'ailleurs, c'est bête. J'avais oublié de vous faire une autre autre vidéo, donc ça y est, c'est chose faite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié ce long vlog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et à me mettre un petit commentaire. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, merci d'avoir pris le temps de m'accompagner, merci d'être là. Vous êtes vraiment une communauté absolument incroyable et au top. Et je vous remercie pour vos suggestions. Et tout ce que vous m'apportez en fait au quotidien. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Restez positifs et bye.